kizomba. Plus que de la musique et de la danse, la kizomba donne un aperçu de ce qui fait de l'Angola un pays si spécial et de l'Afrique un continent unique. Eduardo Paim est considéré comme le père de la musique angolaise kizomba. Il y a 40 ans, il a contribué à son émergence avant de la populariser dans les années 90. Musique à l'origine, elle est rapidement devenue une danse. J'ai grandi en écoutant des musiques comme la semba, la rumba et une multitude de styles différents, le kilipanga. Évidemment, en fusionnant ces influences, on a produit une musique que l'on a appelée ensuite la kizomba. La kizomba, qui veut dire fête ou communauté, est une part d'identité culturelle pour les Angolais après 500 ans de présence étrangère dans leur pays. Le couple qui interprète cette danse sent sur le moment, d'instinct, quelle impulsion donner pour rendre cette danse aussi élaborée que possible. La kizomba, c'est de la poésie dansée. C'est pour cela qu'on a même l'habitude de dire qu'on écrit nos sentiments dans le sol en exécutant les pas. La kizomba a investi les rues. Aujourd'hui, elle fait l'objet de compétitions nationales et internationales. Ces jeunes couples s'entraînent pour les championnats angolais. Leur sélection pour les finales les a amenés à se produire sur les plateaux de télévision du pays. La kizomba, c'est comme boire de l'eau. Vous êtes obligé de la danser, de la vivre, et alors vous comprendrez, parce qu'on peut tous se retrouver dans la kizomba. On communique par le toucher. Je crois qu'à première vue, on peut se dire que ces gestes évoquent le sexe, mais ce n'est pas ça. On peut presque voir l'âme de la personne quand on danse avec elle. La kizomba, c'est très, très important. C'est notre culture, c'est nous. Pour nous, c'est un élément marquant, une fierté, une référence. Ça permet à l'Angola de s'imposer au niveau international. Ces danseurs, originaires du monde entier, viennent à Luanda pour prendre des cours avec un expert. Le succès de la kizomba, au-delà de la beauté qu'elle suggère, s'explique par la joie que nous avons en nous et nous chérissons cela avec la kizomba. C'est une révolution qui est en train de toucher le monde entier. On adopte une autre façon d'être avec la kizomba.